Bonsoir, bienvenue. Puisque je ne connais pas, je suis Claire, la libraire. J'ai le plaisir d'accueillir Fanny ce soir pour une lecture donc, de texte autour de questionnement sur l'enfermement et la condamnation à mort. Merci Fanny. Merci Fanny pour ce moment de gaieté et de partage. Et de bonne humeur. Ça va avec. Il y aura donc Corentin à la guitare et Julien à la voix aussi. C'est une lecture musicale. Et Paul à la performance dessinée. Si vous voulez voir après dans les vitrines, il y a plusieurs, pas mal de livres sur la question. C'est Fanny qui a fait des propositions. Vous pouvez bien sûr en discuter avec Fanny après, les prendre, les acheter. Et il y a une petite boîte sur la caisse où il y a le logo Muse. C'est la boîte de libre participation aux frais pour ceux qui veulent participer aux frais pour aider la librairie à. Discours du 17 septembre 1981. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je regarde la marche de la France. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité que l'ont emportée au moment privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. En vérité, la question de la peine de mort est simple, pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique et de choix moral. Je l'ai déjà dit, mais je le répète volontiers au regard du grand silence antérieur, le seul résultat auquel ont conduit toutes les recherches menées par les criminologues est la constatation de l'absence de lien entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, et on le comprend, ceux qu'on appelle les crimes atroces, sont commis le plus souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence, une pulsion de mort, qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. À cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit de mort, qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, vous n'auriez ni grand soldat, ni grand sportif. Nous les admirons et ils n'hésitent pas devant la mort. Et d'autres, emportés par d'autres passions, n'hésitent pas non plus. C'est seulement pour la peine de mort qu'on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions. Mais ce n'est pas exact. Voici la première évidence. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Mais dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Ce partage du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence. Mais elle exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer sa vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. Pour les partisans de la peine de mort, dont les abolitionnistes et moi-même avons toujours respecté le choix, la mort du coupable est une exigence de justice. Pour eux, il est en effet des crimes trop atroces pour que leurs auteurs puissent les expier autrement qu'au prix de leur vie. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigeraient comme contrepartie nécessaire, impérative
une autre mort et une autre souffrance. Cela s'appelle, je crois, un sacrifice expiatoire. Et justice pour les partisans de la peine de mort ne serait pas faite si à la mort de la victime ne répondait pas en écho la mort du coupable. Soyons clairs. Cela signifie simplement que la loi du talion demeurerait, à travers les millénaires, la loi nécessaire et unique de la justice des hommes. La vérité est que, au plus profond des motivations de l'attachement à la peine de mort, on trouve, inavoué, la tentation de l'élimination. Et ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'un jour il récidive. Il pense que la seule garantie, à cet égard, et que le criminel soit mis à mort par précaution. L'assassin doit mourir, tout simplement parce que ainsi il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple. Et tout paraît si juste. Il s'agit en définitive dans l'abolition d'un choix fondamental, d'une certaine conception de l'homme, d'une certaine conception de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction, qu'il existe des hommes totalement coupables. C'est-à-dire des hommes responsables de leurs actes. Et ils pensent aussi qu'il peut y avoir une justice sûre d'elle-même, sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. À cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont ma culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer, totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurée et angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine et elle demeure donc faillible. Le choix qui s'offre à vos consciences est donc clair. Où notre société refuse une justice qui tue, et elle accepte d'assumer au nom de ses valeurs la vie de ceux qui font horreur, démons ou criminels, ou les deux à la fois. Et c'est le choix de l'abolition. Où cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel. Et ça, c'est l'élimination. Cette justice d'élimination. Cette justice d'angoisse. De mort. Décidée avec sa marge de hasard. Nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur qui triomphent de la raison, qui triomphent de l'humanité. Et demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune d'exécution furtive à l'aube. Sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. C'était le discours de Robert Badinter en 1981. Tu jamais.
donner. Je t'ai trop fait pleurer. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie de juges, de témoins, d'avocats, de procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre, toujours fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. Et la 3e, j'en avais dormi d'ennui, de fatigue. À 00h, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot. J'étais tombée sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était mes premières heures de repos depuis bien des jours. Et j'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsque l'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut, pour me tirer de ma léthargie, sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. Levez-vous donc ! Et j'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. Je me levais, mes dents claquaient, mes mains tremblaient, ne savais où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé, et cependant je suivais mon geôlier. Les 2 gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule, on me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissais faire, c'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises, et j'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent. Pendant que je traversais la longue salle entre 2 masses de peuple murés de soldats, il me semblait que j'étais le centre où se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer. Je ne pus me rappeler ni où ni quand on me les avait ôtés. Et c'est alors qu'il se fit un grand silence. J'étais parvenue à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra. De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire, comme pour une noce. Les guerres rayons du soleil traçaient ça et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatant aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai. Les marchandes de fleurs. Et puis, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil. Elle jouait dans le vent, dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre pendant tant de gracieuses sensations ?
Inondé d'air, inondé de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi, comme le jour tout autour de moi. Et confiant, j'attendis ma sentence, comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement, de bon appétit, et se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, » me dit-il. Le procureur général combattit alors l'avocat. Je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis les juges rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort !»« Condamné, » dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre, stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres. Et maintenant, je distinguais clairement, comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc, blanc, pâle, pâle de la couleur d'un linceul. Et ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, moi je leur trouvais des airs de fantômes. I hurt myself today. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil, et je ne sais quoi de honteux, d'appauvri, salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se collent çà et là quelques hâves figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie, vue de près. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of times, the feelings disappear. You are someone else.
still right here. What have I become? My sweetest friend. Voici ce que c'est que mon cachot. 8 pieds carrés. 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à l'angle droit sur un pavé de dalles exhaussé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Une porte où le fer cache le bois. Courrier du 17 décembre 1849, du sous-préfet au préfet. Monsieur le préfet, le budget départemental pour 1849 porte une allocation de 1000 francs pour dépenses de coucher à la prison de Tournon. Monsieur l'architecte du département souhaite employer cette somme comme suit. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. 20 couchettes en fer à 33 francs, 660 francs. 20 paillasses en toile forte à 7 francs 46, 148 francs. 20 draps sacs à 8 francs 40, 168 francs, 27 traversins, dont 7 pour les anciennes couchettes, 27 francs, total 1003 francs. Il en résulte qu'il ne reste rien pour acheter des couvertures. Cependant, il n'en existe plus dans la prison de Tournon que 33, la plupart très mauvaises, y compris celles qui sont destinées aux militaires conduits par la gendarmerie. Ce n'est pas la moitié de ce qu'il faudrait. Les détenus souffrent horriblement du froid et il est extrêmement urgent d'y pourvoir. Veuillez, monsieur le préfet, examiner cette demande. Et si vous la trouvez acceptable, veuillez m'autoriser de suite et m'envoyer cette somme de 210 francs à l'achat de couverture pour la prison de Tournon. Rien n'est plus urgent. Agréez, monsieur le préfet, l'assurance de mes respectueux sentiments. Le sous-préfet. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit ? Il m'est venu une idée. Je me suis levée et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser une trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grise et souvent de profondes entailles dans la pierre. Ça et là, il y a des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes,
Si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à lire ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux, sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais recomposer un tout de ces fragments de pensée épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens, à rendre la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. Vincent Ravel, en prison pour avoir volé 1783. Robel, en prison le 8 mars 1765. Volontaire de Clermont, 1792. Décresse, le 23 février, sorti le 14 mars. Depuis, Pélère Grand, en prison le 13 Gueulier, 1765. Rafard Caporal, Les au château pour la vie, 1800. Vernet, 1761. 1802, Bernard. Tessier, Moïse Mathieu. Bénazier, 1829. Pierre Châtaignier, Tambour. 1839, Joseph Casbost. 1845, Dimarin. Bouvier, 1847. 1856, Cordier. 15 janvier 1912, Santaoli. C'est dommage que Charlot ait pris la peine de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillouse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. Moi, j'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien. Des coups de bâton, des coups de soleil. Avec tout cela, on est tendu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains. Oh, peu importe. J'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassé dans mes 15 années de galère en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois, 12 mois par année. C'est égal. Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que les diables soient avec les passeports. Il était jaune et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais, le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de tapiquer. Ah, la belle recommandation à un galérien. Je faisais peur. Et les petits-enfants se sauvaient et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis, il fallut vivre. Je montrais mes bras, bon au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger, j'empoignais un pain. Le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain et j'eus les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait s'évader.
Pour cela, j'avais 3 murs à percer, 2 chaînes à couper, et j'avais un clou. Je m'évadais. On tira le canon d'alerte, car nous autres, nous sommes comme les cardinaux à Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla aux moineaux. Cette fois, pas de passeport jaune, pas d'argent non plus. Je rencontrai des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leur ficelle. Leur coeur me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimard. J'acceptai et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœufs à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis on dansait sur la fosse pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gitant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre, et à moi. Tout a une fin. Et celle-là autant qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandelles se sont sauvées, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi, désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commence à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve. Moi, je me retire à l'abbaye de Montarégret. Et voilà, camarade. Visite la prison de Tournon, on en sort le cœur plein de tristesse. Dans des chambres malsaines, dans des cachots infects, sont entassés à peu près pêle-mêle prévenus et condamnés. Hommes, femmes et enfants. Sans lit, presque sans couverture, quelques-uns sans vêtements. Les soins de l'humanité, comme la prescription de la loi, y sont mis en oubli. Et il est de la plus grande urgence de faire cesser cet état de choses. Il est possible de réapproprier cet espace d'une manière plus convenable. Et si nous ne pouvons espérer satisfaire de suite au bien-être matériel des détenus, à tout du moins pouvons-nous répondre aux conditions de moralité qui sont leurs premiers besoins. Éloignons le prévenu du condamné. Le jeune homme qui fait le premier pas dans la carrière du crime, du vétéran qui en a parcouru tous les degrés et qui en a fait une science qu'il peut professer. Empêchons entre les sexes ces dangereux contacts qui donnent lieu aux abus les plus dégoûtants. Séparons surtout les enfants des hommes. Ils ne peuvent encore être entièrement corrompus. Et craignons pour eux la contagion du crime. Le sous-préfet de Tournon, 1848. Jailbirds sing.
wrong. Everybody is wrong. Everybody in the old cell block is dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. S'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Je ne crois pas à ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé, ils ont été polis à l'arrivée, au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes ses formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre, cette porte de la prison en bois. Ces guichetiers, de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible. Moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couvre, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Misérable. Que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Mes amis.
amis, mes fidèles, qui ont tous du talent, mais j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, c'était Paul, Lucas, Julien, Vicomte et Corentin Roux. Et bien, merci à vous. Après, on peut discuter. Et tout ça. Salut.